la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, entraînement des cuisses. On va cibler les quadriceps, les ischios et les mollets. Attention, après je précise qu'on ne peut pas perdre de la graisse seulement au niveau des cuisses. Quand vous allez bien manger et faire du sport, vous allez perdre du gras de tout votre corps. Mais aujourd'hui, on va quand même faire un entraînement pour cibler les cuisses. Vous n'aurez pas besoin de matériel, juste de votre motivation. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, en position. On va commencer, travail de fente. On lève la jambe et on l'amène derrière. Hop, et on l'amène derrière. Hop, et on l'amène derrière. Hop, vous avez compris, hein? Et on l'amène derrière. On change de côté. On lève et on descend. On lève et on descend. On lève et on descend. On change de côté. Très bien, concentré. L'autre côté. Voilà. Hop. Génial. On récupère et on va faire squat en position chaise. Je sais que vous l'aimez celui-là. Allez. Dégraissez-vous les jambes, ça va piquer un petit peu. Hop. Voilà. Rien besoin de plus. Position chaise. On souffle bien. Voilà, le dos droit. Descendez bien. On respire. On souffle bien. On pense à ses objectifs. On pense à ses futurs muscles sur la plage quand vous allez faire tomber le maillot. Enfin, garder le maillot et faire tomber plutôt la serviette. Voilà, on est concentré. Voilà, il n'y a rien qui peut vous arrêter. On souffle bien. On contrôle. Tout est dans la respiration. Allez. Yes! Ah, putain! Celui-là, à chaque fois, cet exercice, il démonte les jambes. Allez, on passe en position squat après. On souffle bien. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Dos droit. Vos pecs sont sortis. Voilà, on descend bien. Voilà, il n'y a que les cuisses qui travaillent. Vous pouvez serrer les fesses quand vous arrivez en haut. Allez, on regarde le bon bout. L'entraînement qu'on fait les gens, c'est un entraînement que vous pouvez faire 2-3 fois par semaine. Allez, super, on continue, lâche pas. Génial. Allez, on lâche pas, on continue. On va prendre la suite de l'entraînement. Allez, on va travailler les ischio-jambiers. Je vais vous montrer. Fixez un point devant vous. Donc fixez un point devant vous. Vous pliez un peu le genou. Et vous descendez comme ça. Voilà, hop, comme ceci. Vous pouvez toucher un peu devant. Hop, et vous remontez. Hop, et vous remontez. Hop. Hop, super. Hop, génial, l'autre côté. Hop. 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 L'autre côté. Très bien. Allez, on va faire un dernier iso pour travailler les mollets. Et le circuit qu'on vient de faire, vous pouvez le faire 2-3 fois à la suite. Suivant bien sûr comment vous vous sentez. Donc, hop, comme ceci, hop, voilà, hop, vous restez bien une seconde en haut. 1, 1, 1, voilà, on marque bien. Super. Allez, on continue. Super, allez.
On souffle bien. On est concentré dans ses mollets. C'est ce qui va faire, en fait, vous muscler, ça va vous affiner et vous renforcer, en fait. Yeah! Bravo la Team Shape! Donc, aujourd'hui, on a fait un entraînement débutant pour un peu se familiariser avec le travail des cuisses. Si vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez faire cet entraînement 2 à 3 fois à la suite. Maintenant, la Team Shape, vous pouvez commander mon tapis de sport Team Shape ou mes programmes d'entraînement pour perdre du poids. Le lien est dans la description. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube Thibaut InShape en cliquant sur ma tête juste ici. Nouvelle vidéo tous les jours. Et regardez une autre vidéo entraînement en cliquant ici. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Bam!